La course aux élections législatives a d'ores et déjà commencé. José Bové s'est rendu à la ferme Masure pour soutenir le candidat d'Europe Écologie Les Verts dans la 10e circonscription du Nord. Il s'agit de Bernard Despierres, un endroit symbolique pour aborder les sujets du jour, à savoir l'urbanisme, la pollution et le bruit des autoroutes, notamment sur la 22. Après avoir fait le tour de la propriété et planté un arbre, le député européen a invité les militants à s'asseoir sur des ballots de paille pour parler politique, car bien évidemment, ce rendez-vous avait des allures de campagne présidentielle. Je vous propose à présent d'écouter le candidat à la 10e circonscription du Nord qui garde le moral. On n'a pas l'air complètement déprimé, apparemment. Hein. Ce n'est pas l'impression qu'on peut en donner, en tout cas. C'est pour nous pas une question de sondage, c'est une question de changer notre logiciel de fonctionnement de la société. Quand nous disons que nous voulons la transformation écologique du système économique, du système social et du système écologique, c'est un combat sur plusieurs années, sur plusieurs décennies. Donc ce combat-là, nous le portons de plus en plus et avec de plus en plus de gens, je dirais campagne des présidentielles ou non.